Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors dans ce cours, nous allons voir les effets avancés du Channel Rack. Alors pour ce faire, nous allons ouvrir le sample en cliquant avec le bouton gauche de la souris. Et puis je vais vous montrer ce qu'on peut faire au niveau des différents modes qui nous sont proposés. Donc on va enclencher le son. Voilà. Alors imaginons qu'on veut moduler le pitch du son. Ça veut dire jouer sur la tonalité plus grave ou plus aiguë du son. On va aller soit plus à gauche, soit plus à droite. Ça peut apporter un effet particulier. On peut également inverser la courbe du son. Alors on peut aussi jouer sur le fade in et fade out. Donc ici c'est pour diminuer voire couper le son au début. Et à l'inverse, fade out c'est pour le réduire à la fin. Vous voyez ici c'était au début, là c'est à la fin. On peut aussi inverser la polarité du son. C'est jouer sur le padding gauche-droite. Je vous invite à tester un petit peu tout ça. Alors après on peut aussi aller dans d'autres paramètres en jouant sur l'enveloppe du son, en modulant l'attaque, voire encore la release. On peut jouer aussi sur les fonctionnalités mode X, mode Y au niveau de la note. On peut jouer sur le LFO, sur les filtres, apporter au niveau du LFO un petit peu de délai en l'accordant sur le temps ou non. Ensuite, on peut apporter un cut self, donc couper la note. On peut modifier le porta. En porta ou en mono. On peut également jouer sur les fonctions du temps des notes avec le shift ou encore la fonction swing. Donc là c'est pareil, il faut tester tout ça. On peut là encore apporter du ping-pong et apporter un peu d'écho de délai à la note, apporter du slide, etc. Alors il faut savoir qu'on peut encore apporter un arrangement artistique plus approfondi en plaçant des plugins, donc des VST, sur le mixeur où sera routée la note. Alors on peut la router à partir d'ici, hein, soit sur la piste 1 ou 2 du mixeur. Donc ici, je l'avais déjà fait. Mais imaginons que vous souhaitiez aller sur une autre piste, eh bien vous allez avec le bouton droit de la souris, et puis vous cliquez ici sur Channel Routing qui route ou 6 tracks. Only. Et là, du coup, vous aurez votre clap qui sera routé sur la piste 3 du mixeur. Alors, nous étudierons les fonctionnalités du mixeur dans un autre cours. Alors, pour placer, par exemple, un plugin de compression ou arranger l'équalisation, eh bien, vous en avez déjà fourni par FL Studio, comme le Fruity Compresseur ou le Fruity Limiter, ou encore le Fruity Parametrix EQ ou EQ2. Que vous avez en mode graphique ou non. Vous pouvez jouer bien entendu avec les populaires plugins de reverb ou encore de délai. Où là, vous pouvez moduler l'intensité de l'effet sur le délai. Au niveau du feedback, vous pouvez le placer en inversion mode ping-pong. Ici, vous pouvez jouer avec l'effet apporté. Soit moindre, soit plus accentué avec le temps du délai. Au niveau de la reverb, on peut le placer sur le temps, on peut jouer sur les high cut, low cut, basse et haute fréquence. Là, on peut modifier l'intensité, pareil, de l'effet, etc. Bien, voilà pour les effets les plus avancés, je dirais, du clap. Dans un prochain cours, nous verrons le mode arrangement, où seront situés nos différentes patterns et comment arranger notre composition. Nous verrons les différents paramétrages qui nous sont proposés. Nous verrons également le mixeur.
Bien écoutez, c'est tout pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura été utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire et j'y répondrai dès que possible. En attendant, je vous souhaite bonne chance pour vos futurs compos et prenez soin de vous. À bientôt.